Elmi Shekir est en licence de physique à Normalsup, ce qu'on appelle le haut du panier. Son parcours, lycée, classe préparatoire et concours d'entrée, rien que du classique. Sauf que dans son lycée de Saint-Martin-d'Hères, malgré ses notes, personne n'avait pensé à l'aiguiller dans cette voie. Dans un lycée de ZEP, comme celui où j'étais, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de désinformation. On n'est pas tenu au courant de la même manière que dans d'autres lycées, par rapport à l'admission en prépa, par rapport à l'admission dans les grandes écoles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Aujourd'hui, le jeune homme a eu le temps d'y réfléchir. Régulièrement, il intervient dans des collèges et des lycées pour expliquer comment lui a fait. Un constat qu'ont également dressé les organisateurs des entretiens de l'excellence. Demain, à Normalsup, des dizaines de collégiens et de lycéens vont donc débarquer pour rencontrer des professionnels et écouter leur parcours. Il y aura en face d'eux des avocats, des médecins qui ont un parcours d'excellence et qui leur parleront un petit peu de ce parcours d'excellence académique et universitaire. De faire en sorte que cette espèce de plafond de verre qui fait qu'on n'ose pas, on ne croit pas qu'on va arriver à faire quelque chose, que ce plafond de verre bouge un petit peu. Pour leur première édition à Lyon, les entretiens de l'excellence attendent 500 élèves, pour la plupart issus de zones d'éducation prioritaire et de zones rurales.